place. Personnellement, je pense qu'il va revenir. Parce que le sol, c'était pas son agrès fort. Kim Dae-hoon, le Coréen, lui aussi est capable de revenir. On le rappelle, vice-champion olympique à Athènes, derrière Paul Ham au concours général. Allez, c'est parti, ça commence par des séries de cercles sur la poignée, suivi d'un transport en triple russe. Alors, regardez bien, les jambes pour l'instant sont bien serrées. Le corps pas trop cassé. Les fameux ciseaux. Allez, transport vers l'arrière. Une deuxième série sur poignée. Aïe, 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 c'est la chute malheureusement. Ah, il a manqué de vitesse là. Ah, terrible, terrible. Terrible parce que là encore, il n'y a pas de droit à l'erreur. Ah non, puis là, ça pardonne pas une chute au cheval d'arçon. Là, c'est directement 5 dixièmes. Plus vous avez pu apercevoir les fautes de jambes quelques temps avant de tomber. Ça aussi, les juges... Il le voit et le note, donc là il a perdu 5, 8 dixièmes, voire plus. Et là ça fait très très mal. Oui, là on peut le dire, hein. Je pense que les chances de médaille se sont envolées. Oui, là c'est sûr. Alors Ginette a 30 secondes pour remonter sur son agrès, mais là on voit complètement déstabilisé. Il fait même un petit pas à la sortie alors qu'il ne tombe pas d'excessivement haut. Ah, c'est dur là, c'est dur pour le Coréen. Oui, il avait réussi 9-300 lors des qualifs. Et là, vous le voyez, il passe totalement à côté et il va être sanctionné. Ah oui, lourdement.